savez, il y a toujours un soupçon de satisfaction. Il y a toujours le plaisir d'avoir battu cette équipe. Nous sommes venus avec l'objectif de gagner parce qu'il nous fallait impérativement cette victoire. Dès le départ, nous avons vu, c'est une équipe que nous avons vu jouer ces deux premiers matchs. Nous avons vu comment elle aborde les matchs, comment elle commence et comment elle ferme les matchs. Nous sommes venus avec l'optique de gagner les matchs. Alors, gagner ce match pour pouvoir être en bonne posture, pour espérer se qualifier parce que notre position nous l'obligeait. Alors, le coach a donné des consignes, on a essayé d'appliquer et on a mené tout le match. On a essayé de fermer ce match de la plus belle des manières possibles. Vous savez, après tout, c'est mon équipe. Je vais rester positif. Je ne vais pas souhaiter une disqualification après avoir fait tout ça. C'est vrai que le match que nous avons perdu contre Edge nous a porté préjudice. C'est un match que nous aurons dû gagner, mais voilà, ça a été fait. On a perdu, mais on a su se rattraper de la plus belle des manières en remportant sur le tenant du titre, d'ailleurs. Alors, on espère qu'on pourra se qualifier. D'abord, je voudrais encourager l'équipe parce que on n'a pas démérité. La majorité de nos joueurs ne sont pas là. On n'a pas été au complet. Mais on a bien géré quand même le match. Ça s'est bien passé. Mais on n'a pas bien défendu dans l'ensemble. Effectivement, on va terminer leader, je pense. Parce que notre dernier match contre Unipro, le score était énorme. Peut-être il y avait 30-20 points d'écart. Je pense que ça va jouer. Ça va jouer beaucoup. Je pense qu'on a des choses à améliorer, mais ça va bien se passer, Inch'Allah.